Subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, push it aside. Don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost you, but at least I tried to do right by you. I fastened the noose. You had to show me what this really was. Enjoy the rest of your life. I'll catch you on the flip side. Karma's a bitch, I can't wait. I'll catch you on the flip side. Don't try. I know you want to. Can't talk your way out of this one. I'm holding the proof. I drink 80 proof until we get through. I might just swing through. And he's there with you. What would you do? Yeah, yeah. All on my dick. When I'm gone, you can't resist. Nah, nah. Yeah, you act innocent. Cause you're afraid I might guess. You threw my heart in the fire. Burning my hands on the wire. Callous enough to admire. I guess that you're just a liar. Enjoy the rest of your life. Catch you on the flip side. Karma's a bitch, I can't wait. I'll catch you on the flip side. Don't try, don't try, don't you lie. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Strong Theory. Donc là c'est l'épisode 4, c'est vraiment les vidéos que j'aime filmer le plus, enfin c'est un peu style vlog et tout, et du coup ça, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime bien regarder, donc j'espère que vous aimez aussi regarder ça. Bref, n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, TikTok, etc. pour voir mes routines, mes recettes et mes entraînements aussi, parce que des fois je poste des entraînements. Et tout ça pour dire, de 1, j'ai galéré à installer la caméra, vraiment c'est le pire truc de mettre la caméra dans la voiture, mais au moins je parle, il n'y a pas de bruit. Vous savez d'ailleurs qu'il y a des trucs qui existent qu'on colle carrément à la vitre de la voiture pour mettre la caméra, mais j'en suis pas encore là. Ce matin du coup j'ai fait une séance jambes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance en superset. Donc pour ceux qui savent pas, un superset c'est juste que vous mettez deux exercices en même temps, vous prenez pas de repos entre deux exercices, vous prenez du repos à la fin de ces deux exercices ensemble. Et mon dieu, qu'est-ce que ça brûle. J'avais oublié à quel point c'était intense, et du coup vous avez beaucoup moins de repos, et surtout j'étais en mode mais j'ai fini ma séance beaucoup plus rapidement que d'habitude, enfin qu'est-ce qui se passe. En fait c'est juste que forcément, vu que je me repose pas entre les deux exercices, c'est allé deux fois plus vite. Le dernier exercice à la fin que j'ai fait, l'espèce de finisher, je vous jure, il n'y a pas de poids. Donc vous vous dites franchement c'est facile et tout, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo mais je sais pas si on voit ma tête, et honnêtement j'étais en train de mourir, genre vraiment ça me brûlait les fesses, c'est horrible. Donc vraiment essayez celui-là si vous voulez. Mais bref, aujourd'hui j'avais juste envie de vous amener avec moi, donc vous partager mon entraînement ce matin. Surtout aussi je vais faire les courses aujourd'hui, ce qui est très très important si vous voulez vous remettre en forme, etc. Je pense que les courses d'ailleurs c'est presque une des premières étapes, je sais pas pourquoi je l'ai pas filmé en premier, mais c'est vrai que ce que vous avez dans vos placards c'est ce que vous allez forcément manger, ou dans votre frigo, et la nutrition c'est hyper hyper important pour suivre bah, du coup tous vos efforts à la salle de sport. Du coup j'y pense, mais j'avais complètement zappé de vous dire que il y a deux semaines du coup j'ai passé mon CPT, donc c'est Personal Trainer Certification, et du coup je suis trop contente, genre vraiment c'est genre trop heureuse. Du coup j'ai passé avec un organisme américain qui est basé à Miami, c'était tellement bien, genre trop bien fait, tellement intéressant, j'ai adoré. Du coup j'ai trop hâte, il y a encore plein de certifications que j'ai envie de passer, etc. Il faut que je fasse
faut que je fasse une vidéo live update. Parce que vraiment, c'est un peu genre messed up tout ça. Il y a de tout partout. C'est juste que j'avais envie d'être posée, d'avoir du recul, etc. pour faire une vidéo un peu comme ça. Donc, quand je serai tranquille, quand j'aurai plus de temps pour ça, etc. Promis, je ferai une live update. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bref, sur ce, je vais aller faire les courses. Et dès que je rentre, du coup, je vous fais un mini haul de courses, retour de courses sur ce que j'ai acheté. Du coup, pour mes courses, donc je prends toujours des myrtilles parce que j'adore les myrtilles. Et des fois, je prends des framboises. Là, j'en ai pas pris. J'ai pris des fraises. Ensuite, je prends des pommes. J'aime que les pommes granny. Et ça, souvent, je le mets avec du beurre d'amande ou du beurre de cajou. Bon, du lime, j'utilise tout le temps pour cuisiner, etc. ou dans mes smoothies. Citron, pareil, je cuisine beaucoup avec ou dans mes smoothies. Avocat à la base. Des bananes, donc soit sur mes toasts, soit dans mes smoothies parce que je les congèle. Des poivrons, pareil. Pareil, je cuisine beaucoup avec les poivrons. Pastèque, j'aime trop la pastèque. Donc en général, je la prépare. Après, je la mets dans un Tupperware. Et comme ça, j'en ai toujours sous la main si j'ai faim. Brocoli aussi, je mets pas mal de brocoli dans mes plats. Épinards, soit pour mes salades, soit dans mes smoothies. Concombre, ça aussi tout le temps dans mes salades. Ensuite, yaourt, j'ai voulu essayer cette marque. J'ai pas encore essayé celui-là, mais du coup, j'achète tout le temps du Skyr. C'est super riche en protéines, donc ça aide pour avoir assez de protéines dans la journée. Ensuite, yaourt de coco, j'achète souvent celui-là, il est vraiment bon aussi. Et il est assez genre léger ou crémeux, donc je trouve que ça change un peu du Skyr parce que le Skyr c'est épais. Des galettes de riz pour quand j'ai envie de snack. Ça pour faire guacamole, qu'importe, salsa, etc. J'en mange souvent aussi. Chocolat noir pour quand je veux faire des pâtisseries, des desserts, etc. Dentifrice, j'ai changé, j'utilise celui-là, il est trop bien. Genre vraiment. Et il y a un ingrédient que je ne supporte pas, qu'il n'y ait pas. Ce pain, je le trouve trop bon pour faire des toasts ou autres. Crème de cerise, salade, des tortillas sans gluten pour mes burritos, mes tacos, etc. Et du jambon, souvent je fais des snacks. Sachant que du coup, là j'en ai pas acheté parce que j'en ai déjà, mais sinon j'achète tout le temps des œufs, du steak, du poulet et du saumon. Donc ça c'est vraiment les 4 protéines que je mange tout le temps. Et bah là non plus, j'ai pas du tout acheté tout ce qui était sec, donc haricots rouges, pois chiches, beurre d'amande, etc. parce que j'en ai déjà. Mais quand je fais des courses à peu près chaque semaine, ce que je rachète surtout, donc là c'est les fruits et les légumes, parce que ça s'utilise assez vite et j'en mange quasiment toutes les semaines. Donc voilà, en général j'achète plus ou moins ça. Là, il est 18h. Du coup, je voulais vous parler un peu des livres que j'avais achetés parce que je suis justement en train de lire un livre. Mais le livre que je lis est trop bien. Genre, je l'ai regardé hier soir et je crois que j'ai lu 100 pages. Genre, je me suis couchée à je sais pas quelle heure parce que c'était tellement intéressant. Ça s'appelle The Glute Lab. Donc, en gros, c'est écrit par un coach qui, honnêtement, a passé sa vie, donc 20 ou 30 ans, à ne faire des recherches et des thèses que sur les fessiers. Genre vraiment. Et du coup, ça explique plein de choses sur les positions, sur les os, sur le muscle, les articulations, etc. Enfin bref. Mais j'avais quand même envie de vous parler des livres que j'ai lus en ce moment, enfin cet été, et que je vous avais dit que j'avais commandé, puisque je les ai finis et ils étaient trop bien. Parce que comme je vous l'avais dit dans la toute première vidéo sur la série, le but c'est aussi genre mentalement et intérieurement à la fois de m'éduquer, enfin j'aime bien apprendre, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours été curieuse, et aussi de me détendre. Et moi, lire, ça me détend vraiment, en particulier le soir, ça m'oblige à arrêter de réfléchir ou de faire des trucs. Désolée, on dirait que je suis endormie, mais c'est parce que c'est le cas. Genre là vraiment j'ai un coup de barre, j'ai pris 2 cafés mais ça ne suffit pas, genre aujourd'hui ça va pas du tout. Et donc le premier que j'avais pris, c'était celui-ci, du coup ça s'appelle Malibu Rising. C'est trop bien, genre c'est l'histoire d'une fille qui en gros est super riche sur la côte à Malibu et tout, mais en fait on parle beaucoup de toute son histoire avant, enfin de son passé, et enfin il se passe plein de truc, enfin en tout cas si vous aimez genre un peu les histoires d'amour et les dramas, bah en tout cas le livre est cool. En vrai ça m'a un peu fait penser à la série Outer Banks, je sais pas si vous avez vu, mais je trouve que ça ressemble à ça. Le deuxième livre que j'avais pris du coup, ça s'appelle Untamed, donc je crois qu'en français c'est Indompté ou quelque chose comme ça. Spécial parce que c'est pas vraiment un roman, mais c'est pas vraiment non plus genre éducatif, c'est vraiment des petites parties d'histoire ou de souvenirs en fait qu'elle raconte de sa vie, donc c'est une sorte de biographie mais avec des petits moments d'histoire. Et c'est tourné plutôt sur les femmes et
sur des choses que vivent les femmes au cours de leur vie. Et elle, en plus, du coup, elle était mariée à un homme et au final, elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne et du coup, elle s'est mariée avec une femme. Donc, trop trop bien, je l'ai lu très très vite. Et troisième et dernier livre, bon là, c'est un peu spécial, je vous conseille pas ça si vous êtes pas dans un bon mood, mais ça s'appelle The Body Keeps the Score. Je crois qu'en français, c'est Le corps n'oublie rien ou quelque chose comme ça. Et n'allez pas savoir pourquoi, mais des fois, comme ça, ça me prend et j'achète un livre de psychologie. Genre, je trouve ça intéressant de savoir comment les personnes se comportent les unes avec les autres, pourquoi certaines personnes ont des réactions comme ça, pourquoi on se sent comme ça en tant qu'humain, enfin bref, toutes ces choses. J'avais vu plein de filles partager ce livre et du coup je m'étais dit bon ouais, je vais l'acheter, ça a l'air intéressant. Et ça parle en fait des traumas, donc enfin moi j'ai pas vécu de trauma, mais je trouve ça hyper intéressant en fait de voir comment les personnes qui ont vécu des traumas le ressentent, parce qu'en fait dans le livre elle explique vraiment qu'on ne règle pas en fait les problèmes physiques sur les traumas, parce que les gens qui sont traumatisés en fait, le problème c'est que leur corps a tout le temps les sensations en fait du passé qui reviennent et qui les empêchent de vivre dans le présent. Enfin, le livre est un peu technique, assez long, genre moi il y a des trucs, j'étais un peu en mode bon là au bout de 10 pages j'arrête de lire parce que c'est compliqué, mais honnêtement je sais pas, je trouve que le livre est vraiment intéressant, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait lire, etc. Bref, donc voilà, et là on se retrouve à lire un livre sur les fessiers. Donc vous voyez, genre mes lectures n'ont pas vraiment de sens les unes avec les autres. Donc si vous cherchez des livres à lire, je mettrai les noms dans la barre d'infos. J'ai fait un wrap avec des haricots rouges, des légumes et du tofu. Et ensuite le deuxième wrap, comme il me restait du saumon, j'ai fait saumon. Et du coup j'ai utilisé du cream cheese vegan. Juste moi en général j'utilise tout ce qui est yaourt, etc. Quand j'utilise vegan c'est parce qu'il n'y a pas de lactose. Parce que sinon c'est sûr que ça n'a aucun sens de mettre du saumon avec quelque chose de vegan. Et c'est juste que comme ça j'ai pas de lactose parce que je digère pas forcément bien le lactose. Voilà, mes deux wraps, c'est vraiment un dîner très random. Je vais arrêter la vidéo ici, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent, et aussi à vous abonner à mon compte Instagram, donc c'est Lala Yanga, ou à mon compte TikTok Claire Sauzel. Merci encore d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.